Et salut à tous et salut à tutti. Comme vous pouvez le voir, qui va aller en finale de Coppa Italia? Soit nous, la Fiore, soit la Roma. Et Vlahovic est devenu un joueur star à la Fiore. Premier match, c'est à domicile, donc on ne doit pas encaisser. On doit au moins gagner 1-0. Salut à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Il y a des jours où je me dis que je fais le plus beau métier du monde. L'ambiance, elle est magnifique. Le cadre, ben est pas mal non plus. Et en plus, j'ai à mes côtés le meilleur consultant de l'histoire du football mondial. Tout Kassan, est en train pour vous faire vivre cette finale dans les meilleures conditions du monde. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Ben merci. De l'autre côté, il y a du bourreau aussi. C'est Balos. Marquinhos. C'est incroyable de se dire qu'on vit déjà les demi-finales. Mais carrément, c'est fou comme le temps passe vite quand on a la chance d'assister à deux grands matchs. Mais bon, après, c'est un peu cruel quand même. Ce sera le terminus pour l'une des deux équipes, pendant que l'autre ira disputer la finale. Ils ont mis leur point. C'est bizarre. C'est parti pour cette rencontre. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ça va y passer. Pellegrini, Diawara, Diawara qui cherche la profondeur. Allez, on y va. Vinicius Junior. Bien, la profondeur. Pourquoi il contrôle? Oui, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. La Fiorentina qui peut avancer. Allez. Choric, Zaniolo, Benatia qui est récompensé de son pressing. Un ballon intéressant. Chiesa. Allez, Chiesa, son le premier dribble. Ballon. Federico, une passe. Emma. C'est magnifique. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent. Encore une fois. Quel joueur! Du jeu collectif, il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il y a but. Magnifique contrôle. Là, le crochet. Oh, il passe entre deux joueurs et il place. Ça commence bien. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Mais attention à ne pas encaisser. Ça peut être dangereux. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Bellatia. Sanctionné pour cette faute.
Choric. La Fiorentina qui est parfaitement rentrée dans sa rencontre. C'est un très bon début de match. Marquer tôt comme ça, ça fait du bien. Oh, la frappe! À côté. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire. La Fiorentina qui est parfaitement entrée dans son match, il faut juste continuer sur ce rythme maintenant. Il est à distance de tir. Faute, oui, faute. Faute de nous, pas bon. Bizarre cet arbitrage. Le gardien loin devant. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Quelle frappe! Et Federico, tu vas faire la finale à toi tout seul. Ça peut faire mal! Go, Lasso! Il est attentif au tir de Chiesa. Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. De 0, le break est fait, on est reparti. On reste plus que l'attaquant a marqué, le trident a marqué. Le jeu repart vers la droite. Il est passé. Dans la surface. Quand même, ils sont compliqués pour prendre Chiesa. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Il peut centrer. Zaniolo en retrait. Pastore qui veut se projeter. Ça passera sur le côté. Ça sprint côté gauche. Chiesa, il sait pas voir. Oh, bon centre. Et la tête. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Vinicius Junior, il allonge. De la tête. Oh. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Pastore. Et la bonne intervention. Je n'ai pas compté les centres d'arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. Perotti. Pellegrini. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Chiesa qui a déjà pris le pas sur la défense. La Fiorentina qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Il tente la frappe. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. C'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Perotti. Pastore. Il enchaîne les dribbles. Pastore. Attention là. Perotti qui centre. Dani Ceballos. Chiesa. C'est joué long, attention. Le dégagement. Il se fait pardonner.
Ça bouge, côté gauche. Choric. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Ouais, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces débuts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Pastore, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh non. Intéressant. Attention. Pastore. Oh la claquette. Magnifique. Quelle parade exceptionnelle. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Il cherche la profondeur. Il accélère côté droit. Il cherche la profondeur. Le long dégagement du gardien. Mkhitaryan. Il y a peut-être un coup à jouer. Le centre. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. La Fiorentina en pleine confiance dans cette rencontre pour l'instant. Toujours 2-0. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça joue long. C'était une bonne intervention. Passe en retrait vers son défenseur. Juan. Changement d'aile, magnifique. Et c'est bien de se montrer patient dans la construction, mais si c'est pour finir comme ça, c'est dommage quand même. Un long ballon vers l'avant. La passe en profondeur pour Caicedo. Mais c'est dangereux. Oh, quel goal. Mounien, son premier but de la saison. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Mkhitaryan. Spinazzola. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Avec l'espace. Dans la profondeur, bien vu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Spinazzola. Mkhitaryan. Ça joue long vers l'avant. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il a un peu de liberté. Il choisit la profondeur. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien.
Dani Ceballos. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. La passe en profondeur pour Caicedo. C'est joué dans la profondeur. Maintenant, le... Oh, le coup de tête! Oh, il était bien placé, quelle occasion ratée! Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites, il fallait le sortir. Il n'a pas hésité à attaquer. Caicedo! Le gardien s'interpose avec Pion. Franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! La Roma qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. C'est joué dans l'espace. Bien travaillé dans la suite. Il met la tête! Oh, quelle frappe! Sensité, mais pas la précision. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Pellegrini. En retrait pour repartir proprement. Il change complètement de côté. Ça n'a pas pu aller plus loin. Spinazzola. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Il décide d'allonger le jeu. Mouniaïn. La longue passe. Face à la frappe. C'est une occasion, ça! Quel manque de conviction sur cette frappe! Spinazzola. Spinazzola qui attend peut-être des appels. 2 minutes de temps additionnel. Il allonge vers l'avant. Caicedo qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Ça manque de précision, dommage. Et c'est le coup de